l'Afrique cherche sa nouvelle voie. Pendant plusieurs semaines, des milliers de jeunes se sont présentés au casting du Castel Life Opéra, le plus grand concours de chant jamais réalisé en Afrique. Un jury de professionnels parcourt la République démocratique du Congo, le Gabon, le Burkina Faso, la République centrafricaine, Madagascar, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire afin de rencontrer les candidats retenus lors des présélections régionales. Dans chacun de ces pays, le jury n'a qu'une mission: détecter le ou la chanteuse exceptionnelle qui aura la chance de participer à la grande finale en Côte d'Ivoire. À l'issue des 6 émissions live à Abidjan, le grand vainqueur remportera un chèque de 15 millions de francs CFA, le trophée du Castel Live Opéra, mais aussi la production de son tout premier album. Voici les auditions du Castel Live Opéra. À Libreville, au Gabon, la journée débute dès le petit matin avec Ghislain, le parrain des auditions locales. Il se charge de réveiller les candidats arrivés la veille des différentes provinces du pays. Ils sont encore endormis. Ils sont encore tous endormis. Il n'y a personne de paresseux. Ils ne sont pas stressés du tout. Ben c'est bon signe déjà. Plus ils se sont quand même préparés jusqu'à 4 heures du matin. C'est bien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le site, pendant le casting. Garçon, ça est fini. Il y en a qui sont seulement à la douche. Non, ils s'habillent. On va vous trouver en bas. Tout le monde au restaurant? Ouais, il paraît, je sais pourquoi. Si, le petit déjeuner qui est prêt, comme ça, moi, vous serez bien chargé. Bonjour. Comment vas-tu? Ok. Seigneur Jésus, oui, comment? Si je puise ma force en pensant à ne jamais regarder derrière, j'avance en chantant. Au même moment, le jury se rend également sur les lieux des auditions gabonaises. Sur place, les jurés doivent retrouver les candidats sélectionnés à Libreville et dans l'ensemble du Gabon. C'est moi qui te prends la tête en plus, parce que je connais son village. Bonjour à tous, messieurs, dames. Je suis le coordinateur de casting sur l'Afrique, parce qu'on part sur 8 pays, on a déjà fait le Congo. C'est notre deuxième étape ici, le Gabon. Voilà, déjà félicitations à tous d'être arrivés dans cette phase finale. Vous pouvez vous applaudir bien fort déjà. Bravo à tous. Ça y est, on est encore une fois dans la phase finale. On va devoir en sélectionner un seul parmi vous. À vous de donner le meilleur de ce que vous avez aujourd'hui. On va vous demander de chanter pourquoi pas une chanson locale et derrière un standard international ou une autre chanson en tout cas de votre univers musical. Et aussi, il se peut que le jury vous demande aussi de complètement changer votre univers musical. Donc n'hésitez pas à montrer un gros répertoire de ce que vous savez faire. Voilà, nous sommes fiers d'être au Gabon et j'espère que vous l'êtes aussi d'être au Castel Live Opéra et de représenter votre pays si vous êtes pris. Encore une fois, bravo à tous. Et on commence avec Dimitri et se prépare Ninon Rennes derrière. Merci.
Bienvenue, enchanté. Merci. Bienvenue au Gabon aussi. Merci. Toi, je t'aime bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, on est là pour te mettre un peu dans le bain, on va dire. Oui. Et te poser quelques questions et de voir avec toi ton expérience et ce qui va se passer pour toi dans les 5 minutes, dans les 5 prochaines minutes. Pourquoi tu as voulu participer à cette émission? Juste pour pouvoir savoir déjà au départ si je sais chanter. Parce que. On n'est pas sûr encore. Ah non. Ah non. Avec. J'ai participé plusieurs fois à certains petits castings, thèmes vocaux tout simplement. On chante a cappella. En 99, par exemple, dans le sud, dans le nord, j'avais gagné. Bon, je me suis dit, tiens, encore 99? Un autre. Oui. Ah oui. J'avais gagné, ça fait longtemps. Ouais. La voix n'était pas encore peut-être celle que j'ai en ce moment. Mais je me suis dit avec Astel Live Opéra, tiens, c'est quelque chose où on demande à... Parce qu'on n'avait même pas encore les explications de Castel Live Opéra. Mmh. On nous disait, venez, tant c'est votre chance. Donc j'ai dit, je viens. Bonjour Dimitri. Bonjour. Ouais. Bah déjà, félicitations. Apparemment, la sélection ici, c'était rude. Tu vois, de 1000 candidats à 50, attends, tu réalises quand même, c'est... C'est ça veut dire que t'es bon. C'est ouais. Énorme, je le sais. Voilà. Tu as fait un grand pas, maintenant on voudrait que tu fasses encore un autre pas. Ouais. Parce que l'enjeu, comme tu le sais déjà, c'est trouver le ou la personne qui va représenter le Gabon au Castel Live Opéra. Oui. Donc c'est géant. Alors on a très peu de temps pour t'écouter. Mais on aimerait que tu donnes le maximum, quoi, que tu donnes tout. Et nous, après, voilà, on va juste te dire ce qu'on en pense, c'est tout. Aïe, les racines, Fidjani, Jojo, mi falais, et ça. En fait, j'étais un peu timide parce que j'aimais pas quand tout le monde me regardait. Du coup, j'accompagnais ma mère qui était dans une chorale. Et arrivée à la maison, je chantais tout ce qu'elle a chanté pendant les répétitions. Du coup, un soir, le maître de chœur ne se rappelait plus de quelque chose et ma mère m'a demandé de chanter. Du coup, j'ai chanté et puis là, ça a commencé. Le dimanche, on m'a demandé de chanter aussi. Et voilà, voilà. Donne vie à ton talent. Participe au grand jeu Castel Live Opéra et gagne jusqu'à 2 000 $ par semaine en envoyant le mot CLO par SMS au numéro de ton pays. Envoie le mot CLO au 72 62 pour le Bénin, au 30 93 pour le Burkina Faso, au 80 93 pour le Cameroun, au 70 06 pour la République démocratique du Congo, au 70 02 pour le Togo, au 98 111 pour la Côte d'Ivoire, au 10-11 pour le Gabon et au 0-335-60-00-60 pour Madagascar. Chaque semaine, 8 chèques sont à gagner de 100 à 2 000 $ pour donner vie à ton talent. Merci, vous l'avez oublié. Ah, vas-y. Bonjour. Comment on va? Ça peut aller. Nous allons écouter tes propositions. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin? Merci beaucoup. Merci.
Allez, vas-y, prends le temps de revenir. Je t'ai senti complètement parti. Et nous aussi, d'ailleurs, c'était très beau. Donc, prends le temps, tranquille, et puis tu fais la, la deuxième. La musique, ça passe facile parce que les gens vont écouter. Par contre, mon handicap, pour dire aux autres que ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu es exclu dans la société. D'accord. Donc, il faudra que je montre ça aux yeux de tout le monde. Et c'est à travers la musique que je peux bien passer le message. Pas encore. Tu n'es jamais sorti du Gabon, là. Non. Et ça te fait quoi si tu te dis que tu pars pendant 5 semaines? Vraiment du plaisir, vraiment. Tout le plaisir sera pour moi. Et je prie beaucoup pour ça. D'accord. Tu crois en toi aussi? Oui, je crois en moi, j'ai foi en moi. Ça va être vraiment dur à les partager parce qu'à un moment, tu te dis, bon, voilà, celui-là, je l'ai écouté, c'est vraiment celui qui convient, c'est celui qui va représenter le Gabon. Et dans les 5 minutes qui suivent, tu dis, ah, tiens, celui-là aussi, oh, mais lui-là, voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très difficile à les partager, mais je pense qu'on trouvera quand même cette voix qui ira représenter le Gabon. Et puis, finalement, c'est pas seulement le Gabon, c'est une voix pour l'Afrique. C'est l'avenir. Ça va bien? Oui, ça va. Pas trop stressé? Non, ça va. Tu gères? Oui, je gère. Pourquoi tu veux participer à cette émission? Parce que c'est une brèche qu'on nous tend. Ici, on n'a pas les droits d'auteur. Donc, moi, je fais de l'autoproduction. C'est vraiment difficile. Déjà, quand on n'a pas des gens pour nous épauler, pas trop, pas un job à toi que tel. Donc, j'essaie de venir compter ma chance et devenir une artiste confirmée, internationale et tout ce qui va avec. D'accord, tu t'en sens capable? Oui, je suis préparée pour ça déjà. Comment tu t'es préparée? Ah, je savais que je participais à un concours. On ne vient pas participer à un concours pour perdre. On se sent apte et on va à la mort, à la vie. Pourquoi
tu as voulu participer à cette émission, Grâce? Parce que, comment il faut dire, en fait, c'est un événement que j'attendais. Je ne savais pas que c'était... que ça pouvait être le Castel Live Opera, mais c'est un événement que j'attendais depuis, participer à un concours de ce genre, bon, pour me faire connaître et parce que pour faire vraiment la chose que j'aime, la chose, je sais pas, en fait, que j'aime faire dans ma vie, quoi. Vas-y, un petit extrait. Tout œil le verra, toute langue reconfessera, devant lui tout genou fléchira, genou fléchira, lui rendra honneur et gloire. Alors toi, il paraît que tu... En gros, tu t'es inscrit deux jours avant, comme ça, et oui, tu es agréablement surpris d'être là, c'est ça? Oui. Parce qu'avant, j'avais jamais fait de casting, j'avais jamais chanté en public. Et en fait, pour moi, c'était un challenge, un défi. Je voulais essayer d'évaluer mon niveau, en fait. Mais tu te rends compte que tu es en phase finale, dans les 50 derniers, sur 5000? Ah ouais. Et tu y vas. D'accord? Et tu oublies celui-là. Yeah, no sunshine when she's gone. Wonder is out when she's out. Wonder if she's gonna stay. Yeah, no sunshine when she's gone. It's out just in the home. Anytime she goes away. Waouh! Et là, pour une entrée, c'est une entrée en force. Quoi. Ouais. Tiens, autre chose, tiens, autre chose. Vous êtes chose, hein? Ouais, mais. Monsieur Abesselot, j'ai envie de vous entendre chanter jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Oui. Une chanson entière? Une chanson entière. N'importe quelle. Vous avez une voix puissante et j'ai envie de l'écouter. Je veux profiter de vous. J'ai envie d'écouter. Voilà quoi. Joyeux anniversaire. Joyeux. Chanter anglais, Nancy? Un peu, oui. C'est-tu quoi? Tu chantonnes? Non, mais parfois, quand je me mets à chanter en anglais, certains disent, moi, mais c'est comme du pounou. Du? Pounou. Pounou. C'est quoi le pounou? C'est une langue du Gabon, au sud. Alors, si tu te dis ça, c'est que tu chantes pas trop anglais, alors? Ça? Ah oui, mais quand même, je me débrouille. Tu peux faire un petit extrait d'une chanson que tu veux, là? We can dream little miracles when you believe, Whitney Houston et Maria Carey. Ah oui, je vois ça. Alors, tu sais très bien chanter anglais. Merci. Pourquoi ils disent ça de toi? Je sais pas. Certainement parce que j'ai l'accent, trop d'accent pour nous. Bah, écoute, je n'ai pas trouvé. Toi
Toi aussi, donne vie à ton talent. Participe au grand jeu Castel Live Opéra et gagne jusqu'à 2 000 $ par semaine en envoyant le mot CLO par SMS au numéro de ton pays. Envoie le mot CLO au 72 62 pour le Bénin, au 30 93 pour le Burkina Faso, au 80 93 pour le Cameroun, au 70 06 pour la République démocratique du Congo, au 70 02 pour le Togo, au 98 111 pour la Côte d'Ivoire, au 10 11 pour le Gabon et au 0 335 60 00 60 pour Madagascar. Chaque semaine, 8 chèques sont à gagner de 100 à 2000 $ pour donner vie à ton talent. On a s'il m'a édingue d'amame gavewa et ningue d'am et de ma s'il n'a minga et ton ménevé vei. Je vois que t'es déjà familier avec la caméra, que tu me regardes à la caméra. J'aime bien la caméra. Tu veux nous proposer quelque chose? Je sais pas, variété internationale ou alors... De toi le fait que tu es sélectionné? Bien sûr, vu qu'il est juste à côté. Il m'a posé la question de savoir, tu penses être sur Terre pour faire quoi? C'est quoi ton objectif sur Terre? Et dans le fond, je pensais que c'était faire ce que lui n'a pas pu faire en fait. C'est-à-dire, il a fait de la musique, a toujours pensé faire une scène aussi internationale, mais vu son temps et le travail et tout, donc pas possible. Mais moi, je pense que si j'ai l'opportunité de le faire, je crois qu'il sera fier. Et tout ce qui concerne la musique m'intéresse. J'ai l'impression qu'on parle de moi quand on parle de musique. Qu'on parle de toi? Oui. Parce qu'on parle de musique, j'ai l'impression que c'est de moi dont on parle. De Youssou de Monique Seka, mais c'est toi qui l'interprète. Et quand on va te dire chante la chanson gabonaise, mais mon Dieu, fais cette pâte d'arachide avec le manioc et donne aux gens. Fais ça chanter. Bonne chance.
chanson, c'est une émotion, c'est une situation, c'est des personnages, c'est des couleurs, c'est des goûts, c'est des parfums, c'est tout ça. Quand je parle aux jeunes artistes, je leur demande d'aller chercher d'abord leurs racines, leur culture. C'est ça leur force. Surtout, en parlant du Gabon, je vois vraiment une belle génération une belle relève, voilà, la relève. Et cette relève-là a besoin d'une direction, donc une formation. Ce serait bien qu'il y ait une école ici, à Libreville, à Port-Gentil, un peu partout. Parce que nous ne pouvons pas demander les enfants d'être meilleurs si on ne les forme pas. Et quand on vient d'une famille pauvre et qu'on n'a rien, et qu'on sait que la musique, ça coûte cher, c'est bien d'avoir une porte, et ce concours-là est une porte. En fin de journée, le jury se réunit au calme pour délibérer et désigner le candidat gabonais qui aura le privilège de participer à la grande finale à Abidjan. Pour moi, Castel Live, c'est un appel à l'unité de la diversité. Et c'est très important qu'on prenne une personne qui a une personnalité et qui sait recevoir les autres différences et qui peut en donner. Si j'étais un producteur d'un gros label, je mettrai toute ma thune sur lui, parce que je sais qu'à tous les coups, parce qu'on parle d'une télé-réalité, à tous les coups, lui, il appâte, oui. Il attire le regard. Là, il a un visage sympathique. Il a tout, il est comme une pièce montée, quoi. Il est sans plus de difficultés à amener. Il y a une chose, Moi, si je vais envoyer un Gabonais, une Gabonaise pour le présenter, je prends celle qui a les bases, qui a la couleur, et qu'elle aille donner autre chose. Hier, il a chanté juste. Oui, mais attention, il n'y avait peut-être pas les gens avec les oreilles comme moi, je les ai. Ah, merci. Moi, je chante faux, mais j'écoute juste. Lui, il a tout pour représenter le Gabon. Le nom du finaliste gabonais vous sera prochainement révélé. D'ici là, le jury du Castel Live Opéra vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les auditions au Burkina Faso.